Bonjour, moi c'est Marc-Antoine de la Fesse. Et moi, j'arrive. Je suis justement la jardinière. Je suis là pour faire coup-coup. Voilà, coup-coup. Salut. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage. J'en ai de plus en plus marre de l'irose. Ça fait 2 mois que je la supporte. Pendant toutes les vacances, c'était compliqué. J'ai une petite idée. Je vais appeler son demi-frère et comme ça, je pourrai m'en débarrasser. Il va la garder une petite semaine. Zin, punaise, j'aime pas cette pièce. Encore perdu. Ah, bah, mais... Oui, allô. Allô. Allô, oui, Jean Cristobal, je sais plus quoi. Oui, allô, Esteban. Toujours aussi nul. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, c'est bien toi. Est-ce que tu peux garder Lily Rose une semaine? Hein? Quoi? Accueillir Lily Rose pour une journée? Cette petite peste qui fait des vidéos de petite peste que je déteste! Certainement pas. Je suis très malade. Très malade, tu sais, depuis la maladie que j'ai eue. Oh non, mais si tu le fais, je te donne un CD dédicacé d'Eva Queen, comme je sais que t'adores Eva Queen. Oui, je te le donne. Oui, je peux l'accueillir, ne t'inquiète pas, finalement je peux l'accueillir. Bon, à tout à l'heure. Ah, je déteste ça. Je vais devoir m'occuper de cette petite peste. J'en ai déjà les larmes au non-œil. Bon, moi je vais attendre de pied ferme Lily Rose quelque part. A few moments later. J'espère que Lily Rose va bientôt rentrer de l'école. Ah, j'en ai marre d'être dans cette poubelle. Ah, ça marche pas pour espionner Lily Rose. À tous les coups, elle est en train de traîner avec ses copines. Ah bah enfin, t'es là! Ça fait pas comme si que ça faisait 2 heures que je t'attendais. T'as vu l'heure ou pas? Oh, c'est bon, j'ai le droit de jouer et m'amuser. Bon bah je vais te la dire, 18h30. Bon, moi j'en ai marre de toi. Je vais t'accompagner chez ton demi-frère. Quoi? J'ai un demi-frère? Oh, c'est vrai, le frère de ma demi-sœur. Bon allez, maintenant je vais sortir de la poubelle. Allez, bon, maintenant il faut que je sorte de là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de ta faute si je dois me planquer dans les poubelles. C'est sale, ça pue. Allez, amène-moi chez ce demi-frère. Oui, allô, Bérangère. Ah, vous êtes là. Bonjour, moi c'est Marc-Antoine de la Fesse. Je suis patron d'une immense entreprise. J'adore les fleurs, j'adore les chiens, j'adore les chats. Ma vie est magnifique. Oh, j'adore la vie. Bon. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Du savon? Non, c'était une blague. Allez, Lily Rose, c'est bon, je compte bien t'y emmener. Non, je compte bien t'y emmener. Allez, oh, on y va. Si, le demi-frère, mais le demi-frère, non, on y va. Allez. T'es très sage. Oui, je sais. Bon, allez, je te laisse là. C'est pas un frappage de porte, ça. Ah, je pense que j'ai entendu sonner. Ça doit être cette chère Lily Rose. Mais tu vas pas me laisser là quand même. Je sais même pas à quoi il ressemble. C'est pas mon affaire, t'as pas été sage, t'as décidé de faire n'importe quoi. Moi je pars, je quitte les lieux. Tu es hors de ma vue. Oh non, je suis toute seule ici maintenant. Ah, c'est donc toi, Lily Rose. Ah bonjour, je te déteste, t'es moche. Moi je voulais pas venir ici, c'est Esteban qui m'a dit de venir. Tu es encore plus moche que dans mes souvenirs. Ton frère m'a obligé à te faire entrer. D'ailleurs, si tu rentres dans ma maison et que tu acceptes d'être sage, je te donne 500 euros ou même 1000 euros comme tu le voudras. Bon, d'accord, mais je te préviens, je vais te faire la misère. Allez ma petite, arrête de discutailler. Viens donc. Allez, tu es enfermé chez moi. Allez, c'est parti. J'ai prévu plein d'activités, du coloriage, je sais que tu adores ça. Quoi, du coloriage de bébé? Tu peux les garder, tes coloriages? Oh, tu peux entrer, n'aie pas peur. Oh, elle est timide, cette gentille petite fille. Voilà, allez, viens. Oh, c'est quoi? C'est moche ici, c'est sombre, c'est tout jaune. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, comme je t'expliquais, tu auras le droit à un magnifique lit de place. Quoi? C'est ça ma chambre pour une semaine? Je pensais que j'allais rester ici une journée. En fait, tu restes une semaine, hein, voilà. Bon, allez, je te laisse et à bientôt. Reste ici, j'ai tout mis à ta disposition, bien sûr. Je te rapporterai un petit bout de pain, un petit verre d'eau pour manger. Un bout de pain, des coloriages et après ça sera quoi? Bah voici ma chambre pour une semaine. Je sais pas comment faire pour m'enfuir. J'ai un plan.
Et si je me transformais en quelqu'un d'autre? Oh, bah tiens, il y a un manteau ici. Allez, je vais le mettre. Oh, et il y a des lunettes là. Parfait. Hop. Bon, même si il y a qu'une personne ici dans la maison, je vais essayer de passer discrètement, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Maintenant, go m'enfuir. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Ce jardin est vraiment mal entretenu, il est moche. Regardez-moi cette pelouse qui est super longue. Ah, il faut que quelqu'un se charge de ça. Bon allez, on va partir discrètement. Oh, mince, il est dans le jardin. Allez, discretos, discretos. Oh mince, il m'a repéré. Attends, qu'est-ce que je vois là? Mais ça serait pas Lily Rose? Oh, c'est qui cette personne? J'ai fait du judo aussi, 3 fois dans ma vie. Et je suis fort, hein, j'ai des muscles. Oh mince. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour être dans ma propriété sans mon accord? Et qui êtes-vous d'ailleurs? Bonjour, je suis justement la jardinière. Je suis là pour faire coupe-coupe, voilà. Ah bah justement, c'est vous la jardinière. Justement, j'étais en train de parler de l'état pitoyable du jardin. Bon, allez, venez, je vais vous montrer comment on fait le jardin ici. Allez, suivez-moi, si vous le voulez. Hein. Oui, je vous attends. Oh mince, je suis pas prêt de partir d'ici, je vais devoir tondre la pelouse maintenant. Ah, je sais pas où les gens ont mis les... Ah voilà. Voilà, comme vous m'avez l'air un peu jeune, vous allez couper tout le jardin avec des ciseaux. Ça devrait prendre pas trop de temps, environ 2-3 jours. Hein. Même la nuit, je pense que vous allez devoir travailler. Mais bon, je vous paye 15 euros. Ah, merci beaucoup. J'y vais tout de suite. J'y crois pas, ça va être trop long. Je vais devoir tondre tout le jardin avec des ciseaux. Mais dans 3 jours, j'y suis encore. Bon, allez, je vais faire ça 10 minutes. Et après, je vais essayer de trouver un plan pour m'enfuir. Parce que là, c'est pas possible. Et en plus, c'est nul comme activité. J'espère que ce jardinier va faire du bon travail. Pas comme celui d'avant, qui avait tondu la pelouse seulement en 5 jours. Bon, j'avoue, je lui avais donné une pince à épiler. Mais bon, c'est pas grave. Allez, dépêchez-vous. Bon, je vais faire un petit somme, une petite sieste. Je l'ai bien mérité après tant de travail. Ça fait déjà 15 minutes que je travaille. Oh, trop chouette, il est en train de s'endormir. Bonjour le chat, ça va? C'est le bon moment pour pouvoir m'enfuir. Bon allez, au revoir le chat. Allez vite, j'y vais. Faut pas qu'il m'entende. Allez, bon, allez, c'est parti. Là, normalement, il est en train de dormir. La porte est ouverte. Bon allez, c'est vraiment le bon moment là. Il faut que j'y aille. J'ai réussi! Wouh! À moi la liberté! Wouh! Ah, qu'est-ce qui se passe? Où est le jardinier? Le jardinier! Et la pelouse n'est pas tondue! Je sens que je me suis fait berner. Je vais aller voir dans la chambre de Lily Rose. J'espère que ce n'était pas un piège. Lily Rose, où te caches-tu? Lily Rose, dis-moi que tu es sous l'oreiller, sous la couette. Non, il faut que je me rende à l'évidence. Je me suis fait avoir par cette sale petite Lily Rose qui s'est fait passer pour le jardinier. Il faut que j'appelle Esteban. Non, au pire j'abandonne. Il m'avait promis de me donner un CD dédicacé de Eva Queen. Je vais enlever ces vêtements ridicules et je vais aller au magasin pour m'acheter quelques trucs pour me récompenser de mon effort sensationnel que j'ai fait là, couper l'herbe avec des ciseaux. Pff, la honte.